à tous, c'est Léa de chez NeoCase. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour vous aider à améliorer l'expérience digitale de vos collaborateurs. Nous sommes en compagnie de Nordakir, notre directrice pre-sales, et aujourd'hui vous allez apprendre comment générer facilement un justificatif de déplacement pour le Covid-19 grâce à NeoCase. Nord va tout vous expliquer. Dans l'exemple que nous allons voir ensemble, Laura est une employée de Global Company. Elle habite et travaille à Paris. Son entreprise a décidé de faire revenir un certain nombre d'employés au bureau. Comme nous sommes toujours confinés en France, Emma a besoin d'obtenir un justificatif de déplacement à fournir par son employeur pour se déplacer. Nous allons voir ensemble comment l'obtention du justificatif est rendue simple à l'aide de NeoCase. Donc, depuis le portail employé, nous sommes connectés en tant que Laura. Laura accède à un certain nombre de services, dont le service attestation de déplacement COVID. Laura va renseigner le moyen de transport et en cliquant ensuite sur le bouton « Générer le document », l'attestation est générée et mise à disposition dans le champ du formulaire prévu à cet effet. Laura peut télécharger le document en double-cliquant sur le contenu du champ. L'attestation est ainsi téléchargée et Laura peut la consulter. Elle retrouve les informations la concernant, comme son adresse, qu'elle n'a pas dû ressaisir au moment de la demande, ainsi que les informations liées à son employeur. En cliquant sur « Retour accueil », elle retourne sur la page d'accueil où, depuis le tableau de bord « Documents », elle peut accéder au module de GED NeoCase. Elle retrouve ainsi la liste des documents qui lui sont associés, dont l'attestation de déplacement générée précédemment. Elle peut afficher le document en cliquant sur le nom du document à consulter. Ainsi, grâce à la mise en place d'un processus simple, dans NeoCase, un employé peut générer facilement et automatiquement une attestation de déplacement, l'autorisant à se rendre au bureau pendant le confinement. Merci beaucoup d'avoir été avec nous pour cette nouvelle vidéo. Si vous avez aimé ce contenu, n'hésitez pas à liker. Vous pouvez également retrouver NeoCase sur ses réseaux sociaux, indiqués ci-dessous en barre d'infos. À très bientôt pour de nouvelles vidéos.